Aujourd'hui, nous organisons une table ronde au sujet de la gouvernance de l'eau au Maroc. C'est une conférence organisée entre Mak El Maghrib et la coalition marocaine pour l'eau. C'est une occasion pour nous d'attirer encore une fois l'attention sur ce sujet qui est d'une grande importance pour l'économie marocaine, qui vit une situation de stress hydrique sans précédent. Donc la Banque centrale agit dans la gestion de l'eau à un double titre en tant qu'entreprise. Dans ce cadre, il a mis en place une charte d'engagement pour une gestion rationnelle de l'eau au niveau de l'ensemble des sites de la banque. Et aussi, elle a un rôle, elle essaie de chercher de jouer un rôle fédérateur au niveau de son écosystème, notamment l'écosystème financier, pour le sensibiliser sur cette question. La gestion de l'eau aussi s'intègre dans tout ce qui est risque climatique. Donc, tout le monde sait que les enjeux climatiques ont une importance cruciale au Maroc, du fait que le Maroc vit des cycles de sécheresse répétitifs. Il y a aussi des inondations très coûteuses pour notre pays. Et donc, ces risques méritent une attention particulière au niveau de la régulation du système bancaire pour qu'ils puissent bien gérer ces risques. Il y a aussi ce qu'on appelle le risque de transition vers une économie verte. Et dans ce cadre aussi, cette transition doit être faite dans un cadre bien organisé par les acteurs du secteur financier, donc qui sont appelés aussi à divulguer des informations financières sur les enjeux climatiques pour encourager et inciter les bailleurs de fonds à apporter leurs capitaux pour qu'ils soient investis justement dans la lutte contre les dérèglements climatiques que connaît notre pays. Il y a bien sûr parlé d'investissement, mais qui a parlé du lien entre l'eau et de la paix et de la sécurité. Il y a un lien donc avec la paix, avec la sécurité, un lien avec l'environnement en général, parce que l'eau, elle traverse les frontières, etc. Donc, tous ces liens font que cette question est très complexe et effectivement, sa gouvernance mérite d'être réévaluée en continu parce que la question de l'eau est une question en constante évolution. Ce qui nous arrive cette année, on
est la preuve. Alors, pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui est utile? Elle n'est pas intéressante, elle est utile. Elle est utile parce qu'il nous manquait des financiers dans notre tour de table, d'abord. Et puis, on a l'habitude d'entendre parler de l'eau avec un discours. J'ai écrit des choses académiques très bien écrites et tout. Mais finalement, je préfère vous parler avec un petit retour d'expérience, spontanément. Donc, je disais que la question. Qu'est-ce que je disais? Voilà, il nous manquait les financiers. Donc, c'était pour le répéter. Il nous manquait les financiers parce qu'on parle de l'eau en abordant les défis, les problèmes, ce qui ne se fait pas, les critiques, etc. Vous savez que avec ce qui se passe au niveau de l'eau, les médias ont une responsabilité également. Et merci d'être avec nous. Nous organisons aujourd'hui cette table ronde en partenariat avec Banque El Maghreb. Et nous sommes très heureux de ce partenariat dans le travail parce qu'il nous manquait dans le tour de table de Coalma qui regroupe tous les acteurs. Le secteur de l'investissement et du financement. En fait, pourquoi elle est importante cette réunion et elle est utile, c'est parce que la question de l'eau offre des opportunités de marché. Nous avons diversifié nos solutions technologiques. Le Maroc a des solutions technologiques variées, la réutilisation des eaux usées, le dessalement, la dépollution, on avance vers l'hydrogène, etc. Et donc, nous avons besoin de ces solutions. La politique de l'eau est en constant renouvellement. Aujourd'hui, le Maroc travaille sur les modalités de gouvernance pour créer plus de cohérence et de mise en œuvre et pour faciliter l'opérationnalisation des projets. Nous avons pendant longtemps travaillé sur la question de l'offre. Aujourd'hui, on rajoute la question des demandes et l'économie de l'eau. Et donc tout cela offre un champ fertile et important d'activités, d'actions, mais qui nécessite de l'accompagnement. Un accompagnement en métier, un accompagnement en politique publique, fiscalité, disons appui, etc. Mais on a aussi besoin de financement et d'investissement. Et donc on espère, avec ce débat, démarrer une réflexion sur comment revisiter la chaîne de valeur et intégrer la question de l'eau comme première victime du changement climatique dans cette chaîne de valeur et y apporter les solutions adaptées. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.